L'Allemagne a passé le cap des 40 000 morts liés au coronavirus et la phase la plus dure est à venir, a prévenu la chancelière Angela Merkel, alors que 80% des lits de réanimation sont occupés et que les effets des fêtes de fin d'année ne se font pas encore totalement sentir. Pour préserver le système de santé, plusieurs Länder ont renforcé les mesures de restriction. En plus de la fermeture des écoles et des commerces non essentiels, les rassemblements privés sont limités à un ménage plus une personne et les déplacements possibles jusqu'à 15 km autour du domicile quand le taux d'incidence est élevé. Nous ne devons pas donner l'impression qu'avec ces mesures, tous les problèmes seront réglés dans 3 semaines, explique le vice-chancelier allemand. Nous devons être clairs et transparents et dire que ces mesures vont nous aider, mais quels vont être leurs effets concrets? On peut difficilement le dire, d'autant qu'il y a cette nouvelle mutation du virus qui nous menace. Le variant britannique continue d'entraîner une flambée des cas au Royaume-Uni, qui a recensé la semaine dernière en moyenne près de 60 000 nouveaux cas quotidiens. Le troisième confinement n'a pas encore produit ses effets et le Premier ministre britannique maintient la fermeté. Les règles en vigueur vont être en permanence révisées, dit-il. Quand il faudra les durcir, nous le ferons. Mais les règles en place, si elles sont correctement suivies, peuvent faire une énorme, énorme différence. En France, à présent, une quarantaine de cas du variant britannique ont été détectés. Pour endiguer la progression épidémique, les autorités ont avancé le couvre-feu de 20h à 18h dans une vingtaine de départements, essentiellement dans le nord-est et le sud-est. La situation est particulièrement préoccupante à Marseille. Enfin, l'Italie, qui s'était confinée pour les fêtes, impose un couvre-feu dès 22h. La péninsule enregistre toujours près de 20 000 nouvelles contaminations quotidiennes. 5 régions, dont la Lombardie, demeurent particulièrement touchées.